Mais vous lâchez rien, mais nous on lâche rien non plus. Mais pas grave, les gouvernements on s'en fout. On est contre ce gouvernement. Il n'est pas légitime ce gouvernement. 17% des gens ont voté non. C'est qui le patron de FN? C'est un copain à Macron. On est révoltés. Aouh. 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 Moi je suis soignant. BFM enculé. C'est bouché de la merde cette année. On s'en branle de Mélenchon, Le Pen et machin. Des enculés. C'est des enculés. On s'en va pas. On est chaud tout le week-end. Vous rentrerez pas à Limoges ou je sais pas où. On est là tout le week-end. Tout le week-end, on sort dehors, c'est quoi? Aouh! Aouh! C'est la campagne, nous! Macron a besoin d'une réelle résistance! Organisée, carrée, pour représenter le peuple! Nous Vous l'avez mis en examen, mais... Là, il n'y a plus d'école. Ah, il vous dit, en 1980... Son héros, c'était Danton. Si c'était les Girondins, on sait exactement les... Alors, comment on est encore là demain? Ne veut pas nous, on est là.
Non, le mec, il me traite de débile parce que je travaille. D'accord. Mais vous avez le droit de travailler en 1er mai, genre, c'est... Ben, je suis libre de faire ce que je veux encore, non? Non, on n'est pas... C'est eux, la dictature. La dictature de la pensée jaune. Non, enfin, j'ai pas envie de... Enfin... J'ai pas spécialement envie d'en parler, mais je suis pas du tout d'accord avec ces gens-là, en tous les cas. Mais parce que la vie est compliquée partout, et je sais pas, ma femme, elle est de l'autre bout du monde, et ils morflent 1000 fois plus que nous, et ils bossent, ils se battent pour s'en sortir. Ils sont pas toujours en train de chipoter sur 3 sous qui leur manquent. Ça m'énerve, c'est tout. Tu prends tous les Mickey ou moi? Ah moi aussi tu me prends? Ça fait important d'être là aujourd'hui? Bah bien sûr, 1er mai. En espérant que ça se finisse pas comme l'an dernier à la Salpêtrière. Tu te rappelles la Salpêtrière, comme c'était méchant? Obligé de rentrer dans l'hôpital. Tellement ils étaient fous les filles. Je te jure. Je suis Michel de Beauvais, on est sur un groupe qui s'appelle Reconnaissance Totale du Vote Blanc. Le seul moyen démocratique de pouvoir changer les choses dans ce monde, et si nos dirigeants, si les députés, si les ministres, si les sénateurs, si tous les gens qui osent parler de liberté de démocratie ne respectent pas la reconnaissance totale du vote blanc, ils amènent la France simplement à des heurts. Alors est-ce que volontairement, ils veulent qu'il y ait une guerre civile ou pas? La reconnaissance totale du vote blanc, c'est le pouvoir de dire oui, mais c'est aussi le pouvoir de dire non. Voilà. Donc il faut impérativement que ça soit reconnu, et ça pour les prochaines élections. On n'est pas obligé de se taper la peste ou le choléra à chaque fois. On n'est pas obligé de tomber dans leur piège. Pardon, merci. Voilà. Donc la reconnaissance totale du vote blanc, c'est un moyen pacifiste, démocratique, républicain. On peut sortir de cette crise pacifiquement, à une condition que le gouvernement le veuille. Est-ce qu'il le veut vraiment? J'en suis pas sûr. Merci. Thank you.
Stéphane, Stéphane, coupe tes mailles. Tu fais le tour là-bas. Pardon ? Merci. J'ai déjà fait une formation, c'est pour ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. C'est pas fini, hein. C'est mort. C'est pas fini, c'est mort. Appelé, bah, la dame elle va appeler les pompiers, je pense. C'est mort, c'est mort. Non, c'est bon. Qui a fait ça ? C'est rien, c'est rien, c'est des manifestants. Ça t'intéresse le SM ? Non. Il a dû entendre parler de toi. Lou. Je veux pas te dire, je veux pas être méchant. Il prenait le logo comme ça, lui. Et après, t'as regardé, il a dit. La fin du monde est là ! Je l'ai dit, si vous en avez peur. Réfléchissez avant d'en faire, parce que l'avenir n'est pas bête, même si vous avez besoin de l'argent. Même la situation est parfaite.